Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, Niyela, Kata, Yela. Alors, finalement, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu pour vous proposer une vidéo avec Naya en train de manipuler des choses autour des mathématiques. Ça a été vraiment laborieux, déjà parce que c'est un format qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire rester assise devant une table avec une caméra, c'était beaucoup pour elle, et parce que nous ne fonctionnons pas comme ça. Et au tout début de l'instruction en famille, c'est vrai que j'avais besoin de structurer les choses, donc j'avais un planning sur la semaine. Je savais exactement ce qu'il fallait faire tous les jours, on était bien calés. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas un format qui lui convenait, et moi non plus d'ailleurs, parce que c'était vraiment contraignant. Et donc on l'a zappé et on est passé à quelque chose de plus informel. C'est-à-dire que nous avançons clairement à son rythme. Quand elle me pose des questions de façon récurrente sur... une thématique particulière, c'est pour moi l'occasion de sortir des supports et de lui proposer en fait. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, comme il y avait ce truc là de vidéo à faire, j'ai dû voilà, tout restructuré, et c'était un peu compliqué. Il y avait une autre difficulté aussi qui était le fait que je ne voulais pas qu'on voit son visage sur YouTube. Donc évidemment je me focalisais sur ses mains et que ses mains, mais quelquefois elle tournait la tête comme ça, maman regarde. Bah du coup, couper, on recommence. Donc c'était compliqué ça aussi, et comme je ne sais pas faire de montage, il fallait recommencer, c'était très laborieux. Mais ce que j'ai appris, c'est que je ne le referai plus. Je ne ferai plus de façon chronologique, comme je vous ai dit, que les mathématiques, puis la lecture, puis l'écriture. Non, pas du tout. Ce sera en vrac, ce sera en mode spontané. Ce que je réussirai à choper, c'est ce que je proposerai. Et oui aussi, elle ne sera plus seule à proposer des supports. C'est-à-dire que moi, je vous proposerai, je vous montrerai comment moi, du cœur, je travaille avec elle, je vous montrerai les supports, comment je présente, et voilà, je pense que ça pourrait le faire aussi. Donc voilà, comme ça, ça me donnera un peu plus de souplesse pour faire plein d'autres trucs au lieu de rester focus sur un élément. J'ai réussi quand même à voir deux vidéos, donc je vais vous balancer. Je ne sais pas dans quel ordre, peut-être que celle-ci avant, celle-là après, enfin je ne sais pas trop. En tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Et on se dit à très vite. Ciao !